comblé dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, Karine Viard a trouvé l'amour il y a 4 ans en la personne de Manuel Herrero. Et la famille du réalisateur, notamment sa sœur, est loin d'être inconnue. Il y a un an, Karine Viard prenait tout le monde par surprise en épousant l'homme de sa vie, Manuel Herrero. Sur les réseaux sociaux, l'actrice avait tenu à partager son bonheur avec ses abonnés, en publiant en story des clichés de la cérémonie civile. 3 mois plus tard, les deux amoureux s'unissaient religieusement, et là encore, Karine Viard avait posté des photos de la cérémonie sur les réseaux sociaux. Pour la comédienne, inutile de vivre caché lorsqu'on est heureux. C'était la première fois, alors cela avait beaucoup de sens. Si est-il génial de s'unir à quelqu'un et de le revendiquer devant le monde entier. Jeanne garde un souvenir extraordinaire, a-t-elle récemment confié dans les colonnes de Elle. Après sa séparation avec Laurent Machuel, le père de ses deux filles, Karine Viard avait retrouvé l'amour en 2019 dans les bras de Manuel Herrero. Karine Viard a une belle famille très célèbre à 57 ans, elle le jure, elle n'a jamais été aussi heureuse. Je me connais mieux, je m'accepte davantage, je suis plus proche de la personne que je suis, et je suis moins soumise au jugement des autres. En un mot, je suis plus libre, a-t-elle expliqué à Elle. Si le nom du mari de Karine Viard, Manuel Herrero, ne vous dit rien, peut-être reconnaîtrez-vous celui de sa sœur, Fanny Herrero, qui n'est autre que la célèbre scénariste à qui l'on te doit notamment l'Excel 10%, ou encore Drôle. Une famille qui regorge décidément de talent puisque le beau-père de Karine Viard est l'ancien joueur et entraîneur de rugby Daniel Herrero.